Au début du XIVe siècle, le shogunat de Kamakura n'a plus rien à voir avec l'institution mise en place par le clan Minamoto. La famille a été brutalement évincée par le clan Hojo, qui désigne suite à cela des hommes de paille issus de la noblesse en tant que shogun, pour pouvoir régner dans les faits avec le titre de régent. Mais les temps sont instables et de nombreux événements vont voir un homme émerger, Ashikaga Takauji. Le clan Ashikaga descend de Minamoto no Yoshikuni, fils du légendaire Minamoto no Yoshiie, voir le premier épisode de Bushi no Jidai. Leur nom vient de la ville dont ils sont originaires. Ces derniers perdaient peu à peu de l'importance depuis que les Hojo tiraient les ficelles du shogunat et avaient tendance à favoriser leurs vassaux. En 1285, lorsque le régent Hojo Tokimune meurt, l'homme lige Adachi Yasunari complote pour prendre la place de son fils âgé de 14 ans, Hojo Sadatoki. Ce dernier autorise donc son secrétaire personnel, Taira Yoritsuna, à l'attaquer. Adachi Yasunari est éliminé, ainsi que de nombreux hommes liges, et d'autres voient leur domaine réduit ou confisqué. Les vassaux du régent ont donc définitivement pris le dessus sur les vassaux du shogunat, qui ruminent leur vengeance. Parmi ces clans, principalement originaires du Nord Kanto, se trouve le clan Ashikaga. En ce début de siècle, les régents Hojo ont affermi leur emprise sur le pays, au nom du shogunat. Ils sont parvenus à repousser les invasions mongoles du XIIIe siècle, grâce aux guerriers de Kyushu et de Shikoku, qu'ils ont fait entrer dans leur giron. Malheureusement, cette guerre défensive, bien que victorieuse, n'a amené aucune conquête. Il est donc impossible de récompenser les guerriers en terres ou en butin. Pire, certains, pour souffrir le coût de la guerre, ont dû s'endetter, et sont à présent sans le sou. Le shogunat promulgue des édits annulant leurs dettes, provoquant au passage la colère de leurs créanciers, car sans compensation, mais les autres guerriers se sentent lésés. Humiliés par les vassaux des Hojo qui prennent de l'importance, appauvris par la guerre, les Gokenin s'agitent dangereusement. Dans tout le pays, des tensions sociales apparaissent. La violence connaît aussi un pic à cause de l'apparition des Hakuto au XIIIe siècle et de leur croissance au XIVe. Ce sont des bandes de vauriens, vivant de rapines, brigandages et pillages. À mesure que ces bandes grossissent, elles se vendent en tant que mercenaires, ou mènent des guérillas contre les forces shogunales, remportant de nombreuses victoires. L'un des chefs Hakuto les plus brillants se nomme Kusunoki Masashige, et aura son rôle à jouer dans l'histoire. En 1318, l'empereur Go Daigo monte sur le trône, suite à l'abdication de son cousin Hanazono. À l'époque, deux lignées impériales se disputent le trône de Chrysanthème. La Jimyōin-tō, descendant de Go Fukakusa, et la Daikakuji-tō, descendant de Kameyama, frère cadet de Go Fukakusa. C'est le shogunat de Kamakura qui réglera le conflit en imposant une alternance. L'empereur devait abdiquer au bout de 10 ans de règne en faveur du représentant de l'autre lignée, et ainsi de suite. Seulement, au bout de 10 ans de règne, Go Daigo entend bien continuer de régner. Son projet est de rétablir la toute-puissance de l'empereur dans le pays. Il tente 2 coups d'État, à chaque fois stoppés par les Rokuhara Tandai, les représentants du shogunat à Kyoto et responsables de la sécurité dans la région du Kinai. Suite à cela, il est exilé en 1332 dans les îles Oki, tandis que le nouvel empereur Kogon monte sur le trône. Mais les partisans de Go Daigo, menés par Kusunoki Masashige, continue la guérilla contre le shogunat. À côté de cela, des débuts de rébellion éclatent dans les provinces. En point d'orgue, Go Daigo finit par revenir en 1333 avec la complicité de Nawa Nagatoshi, le chef d'un groupe de guerriers maritimes. Continuellement tenu en échec par Kusunogi Masashige dans le Kinai, et suite au retour de Go Daigo, les régents Hojo décident d'envoyer une nouvelle armée venue du Kanto. À sa tête, il place l'un des Gokenin les plus puissants, Ashikaga Takauji. Ashikaga Takauji arrive donc dans le Kinai. Mais plutôt que de chercher à réprimer la rébellion naissante, il ourdit un complot avec Go Daigo.
Il entre dans Kyoto avec son armée en juin 1333 et, contre toute attente, s'empare de Rokuhara, l'administration shogunale. Dans le même temps, un autre Gokenin agit, Nitta Yoshisada, du nord du Kanto lui aussi, rassemble une armée et marche sur Kamakura, siège du shogunat. Après plusieurs batailles sur la route, son armée assiège la ville le 30 juin. Kamakura tombe le 4 juillet après 5 jours de combats acharnés, causant des centaines de suicides du clan Hōjō et de leurs suivants. La restauration impériale voulue par Go Daigo peut à présent commencer. Mais dès les premiers instants de son règne, il commet des erreurs qui s'avéreront fatales. Il décrète tout d'abord la reconstruction du palais, qui s'accompagne de lourdes taxes. Puis il promet des récompenses aux guerriers qui l'ont soutenu, mais après examen par son administration au cas par cas. Ce décret provoque l'arrivée en masse de guerriers venus de tout le pays. L'administration étant débordée, ils finissent par s'impatienter et causent de grands troubles dans la capitale. Enfin, il s'appuie pour régner sur des guerriers du Kinai qui lui ont été fidèles, comme Kusunoki Masashige ou Nawa Nagatoshi, mécontentant à la fois la noblesse de cour conservatrice et les guerriers du Kanto qui l'ont soutenu. L'impopularité de Go Daigo augmente à mesure qu'il cherche à tout contrôler, multipliant pour se faire les décrets. Ashikaga Takauji rallie derrière lui les mécontents, notamment les guerriers qui ne cherchaient pas à faire tomber le régime shogunal, mais juste à en expulser les régents Hōjō et leurs vassaux. Ces derniers comptent d'ailleurs encore des partisans. Menés par Hōjō Tokiyuki, fils du dernier régent, ils s'emparent de Kamakura en 1335. Ashikaga Takauji exige de l'empereur d'être nommé shogun, ce qui lui est refusé. Il décide donc de s'arroger ce titre et, à la tête d'une armée, reprend Kamakura. Une fois ceci fait, il se construit un réseau de vassalité et distribue les récompenses, tout comme un véritable shogun. L'empereur n'apprécie pas cet acte de rébellion, et la guerre est de nouveau inévitable. Ashikaga Takauji marche sur Kyoto, obligeant Go Daigo à fuir sur le mont Hiei. Les partisans de l'empereur, menés par Nitta Yoshisada et Kusunoki Masashige, reprendront la ville peu après. Takauji fuit vers l'ouest pour rallier de nombreux guerriers, et ce jusque dans les provinces de Kyushu. Il revient en force en 1336 et marche vers la capitale. Alors que Kusunoki Masashige propose de laisser l'ennemi prendre Kyoto pour l'attaquer ensuite via des opérations de guérilla lorsqu'il sera affaibli, Go Daigo ne veut rien savoir. Ashikaga Takauji ne doit pas reprendre Kyoto et exige de Nitta Yoshisada et Kusunoki Masashige qu'il l'attaque frontalement. Ce dernier, loyal jusqu'au bout, acceptera de suivre les ordres malgré son désaccord. Les deux armées s'affrontent le 4 juillet 1336 à la bataille de Minatogawa. Elles voient la victoire d'Ashikaga Takauji grâce à une manœuvre d'encerclement, ainsi que la mort au combat de Kusunoki Masashige et de son frère Masazue. Go Daigo fuit à Yoshino avec les insignes impériaux, tandis qu'Ashikaga Takauji met sur le trône l'empereur Komio. Cela débute la longue guerre entre les partisans de la cour du Nord, dont fait partie Komio à Kyoto et contrôlé par le shogunat, et ceux de la cour du Sud, dont fait partie Go Daigo à Yoshino. Ashikaga Takauji, contrairement au Minamoto, établit le siège de son shogunat à Kyoto, et cela pour deux raisons majeures. Cela lui permettait d'être au plus près des troubles militaires qui agitaient la région, tout en affichant sa légitimité aux côtés d'une cour impériale devenue impuissante. Il transférera tout de même une partie des pouvoirs du shogunat à Kamakura, entre les mains de son frère Ashikaga Tadayoshi. Cette cohabitation est cependant de courte durée. La mésentente entre Tadayoshi, favorable à un arrangement avec la cour du Sud, et l'homme de confiance de Takauji, Ko no Moranao, qui désire annihiler la cour du Sud, aboutira à un affrontement. Les deux hommes y trouveront la mort. Ashikaga Takauji règne en tant que shogun jusqu'en 1358, date de sa mort. Contrairement à Minamoto no Yoritomo, qui siégeait à Kamakura mais qui reconnaissait encore à la cour un certain pouvoir, Takauji affiche sa volonté de règne total du shogunat en contrôlant à la fois Kamakura et Kyoto. Les Shugo, gouverneurs de province à la solde du shogunat, voient leur rôle renforcé, confirmant l'emprise des guerriers sur le pays au détriment de la cour impériale.